petit Marcos de Barcelone. Mais ce pourrait être n'importe qui, n'importe où. Il va être confronté à une situation qui se produit tous les jours dans des bureaux et des foyers partout dans le monde. Une pièce de l'imprimante ne fonctionne plus. Le fabricant dirige Marcos vers le service après-vente. El meu tècnic fa un diagnòstic previ, però aquest diagnòstic ja són 15 euros més IVA. Segurament serà difícil encontrar les peces per a poder reparar-la. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 110, 120 euros. Tienes impressores des de 39 euros. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Així que, sens dubte, jo em compraria una nova, eh? Ce n'est nullement une coïncidence si les vendeurs suggèrent tous d'acheter une nouvelle imprimante. S'il accepte, Marcos deviendra une victime de plus de l'obsolescence programmée, le mécanisme secret situé au cœur de notre société de consommation. Notre but dans la vie est de consommer à crédit, d'emprunter de l'argent pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. Nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance, dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître. Si le consommateur n'achète plus, il n'y a plus de croissance économique. Planned obsolescence, the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. Ce film révèle comment l'obsolescence programmée détermine nos vies depuis les années 20, lorsque les fabricants commencèrent à raccourcir la durée de vie des produits pour accroître la demande du consommateur. Ils décidèrent donc de réduire la durée de vie à 1000 heures. Nous découvrirons comment les designers et les ingénieurs ont été contraints d'adopter de nouvelles valeurs et de nouveaux objectifs. Ils ont recommencé à zéro pour concevoir quelque chose de plus fragile. Une nouvelle génération de consommateurs a commencé à s'opposer aux fabricants. Est-il possible d'imaginer une économie viable, sans obsolescence programmée et sans impact sur l'environnement ? Les générations futures ne nous pardonneront jamais quand elles découvriront la vérité sur le mode de vie gaspilleur des pays développés. Bienvenue à Livermore, en Californie, où l'on trouve la plus ancienne ampoule du monde. Je m'appelle Lynn Owens et je préside le comité de l'ampoule. En 1972, nous avons découvert que l'ampoule suspendue au plafond de la caserne des pompiers était unique. L'ampoule de la caserne de Livermore brille sans interruption depuis 1901. Pour l'anecdote, elle a déjà survécu à deux webcams. En 2001, pour les 100 ans de l'ampoule, les gens de Livermore ont organisé une grande fête d'anniversaire, à l'américaine. Nous pensions réunir 200 personnes un maximum. Au final, 800 ou 900 personnes sont venues. Vous n'imagineriez pas des gens chantant « Joyeux anniversaire » à une ampoule? Moi non plus, et pourtant ils l'ont fait. L'ampoule originale était produite à Shelby, dans l'Ohio, vers 1895. J'ai quelques photos des femmes qui l'avaient assemblée.
et aussi des hommes qui avaient investi dans cette entreprise. Le filament a été inventé par Adolphe Chaillet. Il l'a conçu pour durer. Pourquoi a-t-il duré? Je l'ignore. Il a emporté le secret avec lui. Le filament longue durée n'est pas le seul mystère dans l'histoire de l'ampoule. Il y a une autre énigme de taille. Comment ce produit simple est-il devenu la première victime de l'obsolescence programmée? Noël 1924 fut très spécial. Dans une arrière-salle de Genève, plusieurs hommes en costume rayé se sont réunis pour concevoir un plan secret. Ils allaient fonder le premier cartel international. Leur but était de contrôler la production des ampoules incandescentes dans tous les pays et de se partager le gâteau du marché mondial. Ce cartel s'appelait Phoebus. Phoebus rassemblait les principaux fabricants d'ampoules d'Europe et des États-Unis et même des lointaines colonies d'Asie ou d'Afrique. Le but était d'échanger des licences et des brevets, de réguler la production et surtout de contrôler le consommateur. Pour ces compagnies, c'était mieux si les consommateurs achetaient régulièrement des ampoules. Si celles-ci duraient trop longtemps, cela représentait un préjudice économique. Au début, les fabricants cherchent à produire des ampoules de longue durée. Les premières ampoules de Thomas Edison, commercialisées en 1881, avaient une durée de vie de 1500 heures. En 1924, quand le cartel Phoebus fut fondé, les fabricants annonçaient déjà des durées de vie de 2500 heures et insistaient sur la longévité de leurs ampoules. Donc, chez Phoebus, ils ont pensé qu'il fallait limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures. En 1925, le comité des 1000 heures est créé avec pour objectif de réduire la durée des ampoules à cette limite par des moyens techniques. Quatre-vingts ans plus tard, Helmut Hugge, un historien berlinois, met au jour les activités du comité. Il a trouvé des preuves cachées parmi les notes internes des membres fondateurs du cartel. Il y avait par exemple Philips en Hollande, Osram en Allemagne ou la Compagnie des Lampes en France. Voici ce que dit ce document du cartel. La durée de vie moyenne des lampes destinées à l'éclairage général ne peut être garantie, rendue publique ou proposée seulement à condition qu'elle soit équivalente à 1000 heures. Les fabricants, sous la pression du cartel, vont alors mener des expériences pour concevoir une ampoule plus fragile et conforme à la règle des 1000 heures. La production était rigoureusement contrôlée pour s'assurer que les membres du cartel respectaient bien la norme. Une des mesures a consisté à installer des étagères avec des petites douilles dans lesquelles on vissait des échantillons de la production pour les tester. Les firmes comme Osram consignaient ensuite méticuleusement la durée de vie de chaque ampoule. Phoebus faisait appliquer ces règles grâce à une bureaucratie très organisée. Ses membres étaient pénalisés si leur rapport mensuel sur les durées n'était pas aux normes. Nous avons ici une liste de 1929 qui indique en francs suisses le montant des amendes payées par les membres du cartel si, par exemple, leurs ampoules dépassaient 1500 heures. Avec la mise en place de l'obsolescence programmée, la durée des ampoules a chuté.
En seulement 2 ans, elle est passée de 2500 heures à moins de 1500. Dans les années 40, le cartel a atteint son but. La durée standard d'une ampoule est désormais fixée à 1000 heures. Je comprends pourquoi c'était très tentant en 1932. À l'époque, le développement durable n'était pas encore au centre des préoccupations. Je ne pense pas qu'on imaginait la planète comme ayant des ressources limitées. On la voyait plutôt comme une source inépuisable. C'est ironique que l'ampoule, qui a toujours symbolisé les idées et l'innovation, soit pourtant l'un des premiers et meilleurs exemples d'obsolescence programmée. Dans les décennies suivantes, des centaines de brevets de fabrication d'ampoules ont été déposés, dont une pouvant durer 100 000 heures. Aucune d'elles n'est jamais parvenue sur le marché. Officiellement, Phoebus n'a jamais existé, même si cette société a laissé des traces dans le domaine public. Sa stratégie consistait à changer de nom régulièrement. Ils se sont d'abord appelés International Electricity Cartel, puis ils ont changé à nouveau. Le plus important, c'est que l'idée de l'obsolescence comme institution existe encore. À Barcelone, Marcos n'a pas suivi les conseils des vendeurs. Il est déterminé à réparer son imprimante et à trouver quelqu'un sur Internet qui a découvert ce qui est arrivé à son imprimante. It's the dirty little secret of inkjet printers. I tried to print a document and it said parts inside your printer require replacement. So, I decided to do a little servicing of my own. Hello Marcos. I got your message. Marcos a contacté l'auteur de la vidéo. I'm fine. How are you? I looked into it and it turns out that there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. And the way inkjet printers work is they constantly have to clean the print heads, and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a preset time when it's squirted a certain number of drops down there that then the printer decides it's full of ink and won't function anymore. Mm-hmm. The justification is they don't want to put ink all over your desk. But I think the problem goes deeper than that. It's the way the technology works. It's just designed to fail. L'obsolescence programmée a émergé en même temps que la production en série et la société de consommation. La question des produits fabriqués pour durer moins longtemps a commencé avec la révolution industrielle. Les nouvelles machines produisaient des marchandises beaucoup moins chères, ce qui était très bien pour les consommateurs. Mais ils ne pouvaient pas suivre le rythme des machines. Il y avait un excès de production. Déjà en 1928, un influent magazine de publicité déclarait « Un produit qui ne s'use pas est une tragédie pour les affaires ». La production en série a fait baisser les prix. Les gens ont commencé à acheter par plaisir plutôt que par besoin. Et l'économie a connu un boom. En 1929, l'émergence de la société de consommation est frappée de plein fouet par le crash de Wall Street et l'Amérique plonge dans une profonde récession. L'unemployment reached staggering proportions. By 1933, one fourth of our labor force was unemployed. On ne fait plus la queue pour acheter, mais pour trouver du travail et de la nourriture. À New York, une idée radicale surgit pour redémarrer l'économie. Bernard London, un éminent courtier en immobilier, propose d'en finir avec la dépression en déclarant l'obsolescence programmée obligatoire. C'était la première fois que ce concept était officialisé. Bernard London proposait d'assigner une limite de vie à tous les produits. Ils seraient ensuite considérés comme légalement morts.
les consommateurs pourraient les retourner à un organisme gouvernemental qui les détruirait. Il cherchait à trouver un équilibre entre le capital et le travail, où il y aurait toujours un marché pour de nouveaux produits. Il y aurait toujours besoin de main-d'œuvre et le capital serait ainsi récompensé. London pensait qu'en rendant l'obsolescence programmée obligatoire, l'industrie se remettrait en marche, les gens consommeraient à nouveau et le plein emploi serait de retour. Gilles Slade est venu à New York pour enquêter sur la personne qui est à l'origine de cette idée. Il veut savoir si pour Bernard London, l'obsolescence programmée était seulement une question de profit ou bien une façon d'aider les chômeurs. Dorothée Weitzner se souvient d'avoir rencontré Bernard London dans les années 30 lors d'une sortie en famille. Ne me dites rien. Intéressant. Le voilà avec son allure d'intellectuel. Vous avez rencontré London en 1933, me semble-t-il. J'avais 16 ou 17 ans. Mes parents avaient une grosse Cadillac qui avait la taille d'un Zeppelin. Ma mère conduisait, mon père était devant et Monsieur et Madame London étaient à l'arrière de la limousine. Mon père a dit que Monsieur London devait m'expliquer sa philosophie. C'était un homme très intéressant. En quelques mots, il m'a expliqué son idée pour enrayer la dépression. À l'époque, nous étions en plein chaos économique, pire qu'aujourd'hui. Il était obsédé par cette idée, comme un artiste l'est par ses tableaux. Il m'a chuchoté à l'oreille, tant il craignait que son idée ne soit trop radicale. Finalement, la proposition de Bernard London n'a pas été suivie et l'obsolescence par obligation légale ne fut jamais appliquée. Dans les années 50, l'idée ressurgit, mais avec une différence cruciale. Au lieu d'imposer l'obsolescence programmée aux consommateurs, elle les séduirait. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. C'est Brooke Stevens qui parle, l'apôtre de l'obsolescence programmée dans l'Amérique d'après-guerre. Ce brillant designer a créé des appareils ménagers, des voitures, des trains, en ayant toujours en tête l'obsolescence programmée. Dans l'esprit de l'époque, tout ce que Brooke Stevens crée induit l'idée de vitesse et de modernité. Même sa maison sort de l'ordinaire. J'ai grandi dans cette maison que mon père avait dessinée. Elle était en banlieue et pendant la construction, tout le monde pensait que c'était la nouvelle gare de bus, car elle ne ressemblait pas à une maison traditionnelle. Pour mon père, n'importe quel objet qu'il dessinait devait toujours sortir de l'ordinaire. Il détestait la banalité et les produits qui ne suscitaient aucun désir d'achat chez le consommateur. To inspire the purchase. Unlike the European approach of the past, where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it, and never a chance to renew it, the approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market, and obtain the newest product with the newest possible look. Stevens a parcouru l'Amérique pour promouvoir l'obsolescence programmée, discours après discours. Ses propos sont devenus comme une sorte d'évangile. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. Le design et le marketing séduisent le consommateur et suscitent un désir insatiable pour le dernier modèle. Mon père n'a jamais conçu un produit pour qu'il tombe délibérément en panne ou devienne obsolète dans un bref délai. L'obsolescence programmée est à l'entière discrétion du consommateur.
personne ne force le consommateur à aller dans un magasin pour y acheter un produit. Il y va de son plein gré, c'est son choix. Liberté et bonheur grâce à la consommation sans limite. L'American Way of Life des années 50 a servi de fondement à la société de consommation que nous connaissons aujourd'hui. Sans l'obsolescence programmée, ces lieux n'existeraient pas. Il n'y aurait aucun produit, aucune industrie, pas de designer ou d'architecte, il n'y aurait pas de vendeur ni de personnel en charge du nettoyage, pas de garde de sécurité. Tous ces emplois disparaîtraient. All the jobs would go. So how often do you change your mobiles? 18 months. Once a year. Aujourd'hui, on enseigne l'obsolescence programmée dans les écoles de design et d'ingénierie. Boris Knouf donne un cours sur le cycle de vie des produits de consommation, un euphémisme moderne pour dire obsolescence programmée. I went shopping for you. I got a couple of things. A pan, salt, shirt, another shirt. Les étudiants apprennent comment concevoir des produits pour un marché dominé par un unique objectif, l'achat fréquent répété. What I do, I pass these round and you tell me what you think, how long it takes for them to fail, what the service life will be. Les designers doivent comprendre pour qui ils travaillent. Le modèle commercial du client définit avec quelle fréquence il veut renouveler ses produits. Ce cahier des charges est remis aux designers qui doivent concevoir le produit afin qu'il corresponde exactement à la stratégie commerciale du client pour lequel ils travaillent. L'obsolescence programmée est à la base de la formidable croissance économique qu'a connue le monde occidental à partir des années 50. Depuis, la croissance est devenue le Graal de notre économie. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche, un des critiques de la société de croissance les plus connus, a beaucoup écrit sur ces mécanismes. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Depuis une génération, notre but dans la vie semble être de consommer à crédit, d'emprunter de l'argent pour acheter des biens dont nous n'avons pas besoin. Cela n'a aucun sens. Les critiques de la société de croissance mettent en valeur le fait qu'elle n'est pas viable à long terme, car elle se base sur une contradiction flagrante. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Est-il vraiment nécessaire de créer un nouveau produit toutes les 3 minutes quelque part dans le monde ? Je crois que beaucoup de gens se sont rendus compte que les choses devaient changer, surtout quand les politiciens leur ont dit d'acheter et de consommer pour relancer l'économie. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin, qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice. Parcourant la notice de plusieurs imprimantes, Marcos s'est rendu compte que leur durée de vie est fixée par les ingénieurs dès le départ.
ils insèrent une puce dans les circuits de l'imprimante. J'ai trouvé la puce. C'est une EEPROM qui mémorise le nombre d'impressions. Et une fois qu'on atteint la quantité préétablie, l'imprimante se bloque et n'imprime plus. Que pensent les ingénieurs de concevoir des produits pour qu'ils tombent en panne? Le dilemme se pose dans ce film britannique de 1951, où un chimiste audacieux invente un fil inusable. Il est persuadé d'avoir fait une découverte incroyable. Mais tout le monde n'apprécie pas son invention. Et bientôt, il est poursuivi non seulement par les patrons de l'usine, mais aussi par les ouvriers, qui craignent tous de perdre leurs emplois. C'est très intéressant. Ça me rappelle quelque chose qui est vraiment arrivé dans l'industrie du textile. En 1940, Dupont, le géant de la chimie, lance une fibre synthétique révolutionnaire, le nylon. C'était un énorme progrès pour les femmes d'avoir des bas résistants, mais cela ne durera pas très longtemps. Avant et après la guerre, mon père travaillait chez Dupont, au département nylon. Et il m'a raconté comment ils avaient testé le nylon pour en faire des bas. Les hommes de son département emportaient des bas à la maison pour les faire tester par leurs femmes ou leurs petites amies. Mon père a fait de même, et ma mère était ravie avec les premiers bas qu'elle avait testés, parce qu'ils étaient tellement résistants. Les chimistes avaient toutes les raisons d'être fiers de leur trouvaille. Même les hommes vantaient les mérites des bas en nylon. Le problème, c'est que les bas étaient trop résistants. Les femmes étaient très contentes parce qu'ils ne filaient pas, mais les fabricants qui les produisaient en vendaient forcément moins. Dupont donna de nouvelles instructions au père de Nicole Fox et à ses collègues. Les employés de son département ont dû se remettre à l'ouvrage pour essayer de faire des fibres plus fragiles, de façon à ce que les bas filent plus souvent et ne durent pas si longtemps. Les mêmes chimistes qui avaient appliqué leur savoir-faire pour fabriquer des bas résistants ont dû se résigner à suivre l'air du temps et les ont rendus plus fragiles. Le fil éternel a fini par disparaître des usines, comme au cinéma. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount in that contract, we will pay it. A quarter of a million. To suppress it. Yes. Comment ont réagi les ingénieurs de Dupont face à la réduction délibérée de la vie du produit? Les ingénieurs ont dû se sentir frustrés de devoir utiliser leur savoir-faire pour créer un produit de qualité inférieure après tous les efforts accomplis. Il se peut aussi que, pour eux, créer des produits solides ou fragiles, ça leur était égal. Ça faisait partie de leur travail. Parmi les ingénieurs, il y a eu un changement de valeur. Cette confrontation avec l'obsolescence programmée les a conduits à revoir fondamentalement leur éthique. Il y a les ingénieurs de la vieille garde qui veulent continuer à créer des produits solides et durables. Et il y a une nouvelle vague d'ingénieurs, influencés par le marché, dont l'intérêt est de concevoir le produit le plus jetable possible. Ce débat fut tranché quand cette nouvelle école d'ingénieurs s'est imposée. La frustration des ingénieurs et des citoyens à l'égard de l'obsolescence programmée est dans l'air du temps. Même Arthur Miller y fait référence dans sa célèbre pièce « Mort d'un commis-voyageur ». Comme Willy Lomax, les consommateurs ne peuvent que se plaindre en vain. Consumes belts like a crazy maniac.
They time those things. They time them. So when you finally paid for them, they're used up. Les consommateurs étaient loin d'imaginer que de l'autre côté du rideau de fer, dans les pays du bloc de l'Est, une économie entière existait sans l'obsolescence programmée. L'économie communiste ne se fondait pas sur le libre marché, mais sur la planification centralisée par l'État. Dans ce système, inefficace et souffrant d'une insuffisance chronique de ressources, l'obsolescence programmée n'avait aucun sens. En Allemagne de l'Est, l'économie communiste la plus performante, les normes officielles stipulaient que réfrigérateurs et machines à laver devaient durer 25 ans. J'ai acheté ce réfrigérateur est-allemand en 1985, donc il a au moins 24 ans. L'ampoule date de la même époque. Je n'ai jamais eu à la remplacer. Elle a aussi presque 25 ans. En 1981, une usine de Berlin-Est lance une ampoule longue durée et la présente à une foire internationale à la recherche de clients en Occident. Quand les fabricants est-allemands ont présenté cette ampoule à la foire de Hanovre de 1981, leurs collègues de l'Ouest ont dit « Vous allez détruire vos propres emplois ». Les ingénieurs de l'Est ont répondu « Non, au contraire ». En économisant les ressources et sans gaspiller de tungstène, nous sauverons nos emplois. Les acheteurs occidentaux ont refusé l'ampoule. En 1989, après la chute du mur de Berlin, l'usine a été fermée et la production s'est arrêtée. Aujourd'hui, on ne la trouve que dans des musées et des expositions. Après la chute du mur, le consumérisme effréné est aussi bien présent à l'Est qu'à l'Ouest. À une différence près, à l'heure d'Internet, les consommateurs sont décidés à lutter contre l'obsolescence programmée. Notre premier film à succès était un film sur l'iPod. J'étais complètement fauché. Et quand j'ai acheté cet iPod, il coûtait dans les 400-500 dollars. Environ 8 ou 12 mois plus tard, la batterie est tombée en panne. J'ai appelé Apple pour qu'il la remplace, et leur politique à l'époque était de dire à leurs clients d'acheter un nouvel iPod. Que la batterie soit morte ne m'embêtait pas, car quand la batterie de mon portable Nokia ou de mon ordinateur portable Apple ne marche plus, je peux les remplacer. Mais avec l'iPod, qui n'était pas donné, si la batterie lâchait, c'était l'appareil tout entier que l'on devait remplacer. Mon frère a eu l'idée d'en faire un film. Munis d'un pochoir, nous avons bombé toutes les affiches d'iPod que nous avons rencontrées en ville avec ce slogan. La batterie non remplaçable de l'iPod dure seulement 18 mois. On a posté la vidéo sur notre petit site, iPodsDirtySecret.com. Et en un mois ou six semaines, il y a eu 5 ou 6 millions de visites. Le site a explosé. À San Francisco, l'avocate Elisabeth Pritzker entend parler de la vidéo et avec ses associés décide de porter plainte contre Apple. 50 ans après l'affaire de l'ampoule, l'obsolescence programmée se trouve à nouveau devant le tribunal. Quand nous avons entamé le procès, l'iPod était sur le marché depuis 2 ans et Apple avait vendu environ 3 millions d'exemplaires aux États-Unis. Beaucoup de propriétaires d'iPod avaient des problèmes de batterie et étaient déterminés à poursuivre Apple. Parmi eux, Andrew Wesley.
Parmi les consommateurs qui nous avaient contactés, nous en avons choisi quelques-uns pour être les plaignants de notre recours collectif. Un recours collectif est une procédure judiciaire aux États-Unis par laquelle un petit groupe de personnes représente un groupe plus important pour porter plainte devant la justice. Comme plaignant, je représentais des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes. L'affaire a été baptisée Wesley contre Apple. Quand mes amis et ma famille ont appris que c'était un procès important, ils ont pensé que j'étais devenu un extrémiste, une sorte d'Erin Brockovich. En décembre 2003, Elisabeth Pritzker dépose une plainte au tribunal d'instance de San Mateo, tout près du siège social d'Apple. Nous avons demandé à Apple de fournir de nombreux documents techniques sur la durée de la batterie de l'iPod. Et on a reçu beaucoup de données techniques sur son design et sur les essais pratiqués sur les batteries. Nous avons découvert que le type de batterie au lithium contenu dans l'iPod était conçu pour avoir une durée de vie limitée. Il est clair que l'iPod d'Apple a été développé dans la perspective de l'obsolescence programmée. Après quelques mois de tension, les deux parties sont parvenues à un accord. Apple a mis en place un service de remplacement des batteries et a prolongé la garantie à 2 ans. Les plaignants ont été dédommagés. Ce qui me gêne vraiment, c'est qu'Apple se vend comme une marque très branchée et novatrice, alors que sa politique environnementale ne permet pas aux consommateurs de retourner les articles pour les recycler ou les traiter. C'est contraire à toute logique et c'est contraire à son message. L'obsolescence programmée produit un flot ininterrompu de déchets qui sont expédiés dans les pays du tiers-monde, comme le Ghana en Afrique. Il y a 8 ou 9 ans, j'ai réalisé que beaucoup de containers arrivent ici remplis de déchets électroniques. Je parle de matériel informatique et de télévision en panne dont personne ne veut dans les pays industrialisés. Un traité international interdit d'expédier des déchets électroniques dans les pays du tiers-monde, mais les marchands le détournent en déclarant ces produits comme des articles d'occasion. Plus de 80% des déchets électroniques qui arrivent au Ghana sont totalement irréparables et des conteneurs entiers finissent dans des décharges illégales partout dans le pays. Nous nous trouvons dans la décharge d'Agbogbloshie. Avant, il y avait une jolie rivière ici, l'Odo, qui traversait cet endroit. Elle regorgeait de poissons. Notre école n'était pas très loin d'ici et nous venions jouer au football. Nous flânions sur les rives. Les pêcheurs organisaient des balades en bateau. Je m'en souviens très bien. À présent, tout ça n'existe plus. Et cela me rend vraiment très triste et furieux. Aujourd'hui, les jeux des enfants ont laissé place aux jeunes défavorisés qui recherchent de la ferraille. Ils brûlent la gaine en plastique des câbles d'ordinateur pour récupérer le métal. Les plus jeunes ratissent les déchets à la recherche de la moindre miette de métal que leurs aînés auraient pu oublier. Certains des responsables de ces cargaisons disent
Nous voulons diminuer la fracture numérique entre l'Europe et l'Amérique d'une part et l'Afrique d'autre part. Mais la réalité, c'est que les ordinateurs qui sont expédiés ici sont hors service. C'est absurde de recevoir tous ces déchets alors qu'on ne peut pas les traiter. D'autant plus que nous ne les avons pas produits et que notre pays est devenu la poubelle du monde. Ces déchets, cachés si longtemps pendant l'ère industrielle, sont maintenant entrés dans nos vies et nous ne pouvons plus les ignorer. L'économie du gaspillage vit ses derniers moments, car nous n'avons littéralement plus de place où stocker les déchets. Au fur et à mesure, nous avons réalisé que cette planète qui est la nôtre ne pourra pas supporter cela indéfiniment. Les ressources naturelles et énergétiques ne sont pas inépuisables. Les générations futures ne nous pardonneront jamais quand elles découvriront la vérité sur le mode de vie des pays développés, qui est basé sur le gaspillage. Partout dans le monde, les gens ont pris conscience du phénomène et ont commencé à agir. Pour lutter contre cet état des faits, Mike Anani rassemble des renseignements. C'est ici que je stocke les déchets électroniques qui ont une étiquette d'identification. Celle-ci dit « Centre d'Amuse, Jylland occidental, Danemark ». Celui-là vient d'Allemagne, envoyé ici pour être jeté. Collège de Westminster, Apple. Apple devrait faire mieux. Il se targue d'être écologique. Pourtant, beaucoup de produits Apple finissent à la décharge. J'ai créé une base de données avec les étiquettes, les adresses et les numéros de téléphone des compagnies auxquelles appartenaient ces déchets électroniques qui ont été envoyés au Ghana. Mike prévoit de transformer ses renseignements en preuves pour intenter un procès. Il faut prendre des mesures punitives. Poursuivre les gens pour qu'ils arrêtent de déverser des déchets électroniques au Ghana. Marcos recherche sur Internet un moyen de prolonger la vie de son imprimante. Il a trouvé un site web russe qui propose un logiciel libre pour remettre à zéro le compteur de l'imprimante. Le programmeur a même pris la peine d'expliquer ses motivations personnelles. Marcos ne sait pas à quoi s'attendre, mais il télécharge le logiciel. Depuis un petit village en France, John Takara combat l'obsolescence programmée en aidant les gens du monde entier à partager leurs idées en matière de design et d'affaires. Dans les pays pauvres, les choses sont systématiquement réparées. Pour les gens du Sud, jeter un produit à la moindre panne est totalement choquant et inconcevable. D'ailleurs, en Inde, il y a un mot, jugad, pour décrire cette tradition de réparer les choses, quelle que soit la difficulté. Nous recherchons des gens actifs qui mènent des projets dans le monde, plutôt que des gens qui parlent de façon abstraite de l'état déplorable des choses ou de ce que l'on devrait changer. Parmi ces gens, il y a Warner Phillips, descendant de la dynastie des fabricants d'ampoules. Je me souviens que mon grand-père m'a emmené dans une des usines Philips à Eindhoven pour me montrer comment étaient fabriquées les ampoules. C'était vraiment cool. Presque 100 ans après la création du cartel des ampoules, Warner Phillips poursuit la tradition familiale, mais avec une autre approche. Il produit une ampoule à LED qui dure 25 ans. Ce n'est pas comme s'il y avait un monde écolo et un monde des affaires.
Les deux vont de pair. C'est la meilleure base pour monter une entreprise. Et je crois que la seule façon d'y parvenir, c'est de prendre en compte le coût réel des ressources qui ont été utilisées. Il faut aussi regarder l'énergie consommée et la consommation indirecte d'énergie générée par le transport. Si on faisait vraiment payer aux transporteurs le coût réel du transport, sans parler du fait que le pétrole est une ressource non renouvelable et pour lequel on n'a pas vraiment de substitut, je dirais que le prix du transport devrait être multiplié par 20 ou 30. Et si nous répercutions tout cela sur chaque produit manufacturé, les fabricants et les entreprises auraient tout intérêt à concevoir des produits qui durent toute une vie. Pour combattre l'obsolescence programmée, on peut aussi repenser la fabrication des produits. Selon une nouvelle approche, si les usines reproduisaient les lois de la nature, l'obsolescence programmée deviendrait elle-même obsolète. Quand on parle de protection de l'environnement, on pense à réduire, renoncer, éviter, zéro déchet, moins d'impact. Mais au printemps, un cerisier ne réduit pas, n'évite pas et ne renonce pas. En fait, la nature surproduit. Les fleurs flétries, les feuilles mortes et les autres restes organiques ne sont pas des déchets. Ils nourrissent d'autres organismes. C'est un cycle permanent. La nature ne produit que des nutriments, pas des déchets. Brongaart soutient que l'industrie peut imiter le cycle vertueux de la nature. Et il l'a prouvé en réinventant les procédés de fabrication d'une compagnie textile en Suisse. Quand par exemple vous tapissez un canapé ou une chaise d'un tissu comme celui-ci, les chutes sont si nocives qu'elles doivent être traitées comme des déchets toxiques. Des centaines de teintures et de produits chimiques hautement toxiques étaient utilisés habituellement dans cette usine. Pour la fabrication des nouveaux tissus, Brongaart et son équipe ont réduit la liste à 36 produits, tous biodégradables. On sélectionne seulement des ingrédients que l'on pourrait manger. Si vous vouliez, vous pourriez les mélanger avec vos céréales. Dans une société basée sur le gaspillage, tout produit périssable crée un problème de déchets. Mais si une société crée des nutriments, les produits de courte durée offrent une chance de produire quelque chose de nouveau. Pour les détracteurs les plus radicaux de l'obsolescence programmée, changer le modèle de production est insuffisant. Il faut repenser entièrement le système économique ainsi que nos valeurs. C'est une vraie révolution. C'est d'abord une révolution culturelle, parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité. Cette révolution, c'est la décroissance. De conférence en conférence, Serge Latouche propose d'en finir avec la société de croissance. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de la croissance possible, infinie, soutenable, et donc pour marquer la nécessité de changer de logique. L'essentiel du programme, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot, réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesses qui ont l'avantage d'être, de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. Nous dépendons de plus en plus des objets pour forger notre identité et avoir confiance en nous-mêmes. Sans doute parce que les choses qui auparavant façonnaient notre identité, comme l'adhésion à une communauté, l'attachement à une terre ou tout autre lien social, ont été remplacées par le consumérisme. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx.
Mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Les opposants de la décroissance craignent que l'économie moderne soit détruite et nous oblige à revenir à l'âge de pierre. Revenir à une société soutenable, c'est-à-dire une société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est revenir, toutes choses égales d'ailleurs, pour un pays comme la France, aux années 60. Ça n'est pas vraiment l'âge de pierre. Enfin, on peut dire que la société de décroissance réalise hein, la vision de Gandhi qui disait le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. Marco s'installe le logiciel russe sur son ordinateur. Le nouveau logiciel lui permet de réinitialiser la puce de comptage de son imprimante. L'imprimante se débloque immédiatement. Souhaitez revoir ce documentaire ou le faire connaître à vos proches? Retrouvez-le dans son intégralité, gratuitement, sur notre site www.ledoc.ch.